Bonjour et bienvenue dans la Minute Cobuz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes, avec Arthur H. et Nicolas Repac, Timber Timbre, Christophe, Renaud Capuçon, Mustang, et pour notre séquence rétroviseur, le label ECM. Après L'Or Noir consacré à la poésie de la Caraïbe francophone, Arthur H. et Nicolas Repac se penchent sur la poésie érotique avec leur nouvel album qui paraît chez Naïve, L'Or d'Eros. Un corps à corps de musique et de lettres pour lequel Arthur H. habite chaque mot comme si les écrivains étaient tous des musiciens. Un projet surtout libre et sulfureux. J'avais près de 16 ans quand j'ai rencontré une jeune fille de mon âge, Simone, sur la plage de X. Nos familles se trouvant une parenté lointaine, nos relations furent précipitées. 3 jours après avoir fait connaissance, Simone et moi étions seuls dans sa villa. Après des débuts ancrés dans le patrimoine folk, les Canadiens de Timber Timbre ont progressivement enrichi leur vocabulaire dans l'enluminure de plus en plus sophistiquée, comme le prouve leur nouvel album Hot Dreams qui paraît chez Piass. Une œuvre luxuriante aux allures de vraies fausses musiques de films et au cours de laquelle on croise des cordes, du sax et tout un instrumentarium un peu plus féerique. I wanna take, I wanna take, I wanna take, take all of your air. I wanna find, I wanna find, I wanna find another daydream, another nightmare. Pour son nouvel album, Christophe est intime. Avec ce superbe recueil enregistré live, le dernier des Baby Lacroix revisite son répertoire seul au piano face à un public restreint. Les mots bleus, Aline, Señorita, Paradis perdu et quelques autres chefs-d'œuvre trouvent dans l'intimité acoustique de cette nouvelle version une seconde vie. Moi j'ai toujours l'impression que mes albums c'est toujours des chansons quoi. Alors bon, moi j'aime bien le mot variété, c'est comment c'est un mot comment qui est plein d'étoiles, j'aime bien. J'aime bien ce mot-là. Il s'isa au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisées. Une fille va sortir de la mairie. « 350 ans séparent l'allemand Jean-Sébastien Bach du letton Petris Vasks. Renaud Capuçon a réuni les deux compositeurs pour son nouvel album, qui paraît chez Erato. Intitulé Distant Light, ce projet propose Renaud Capuçon dirigeant le Chamber Orchestra of Europe, dans des concertos évidemment reconnus, ceux de Bach, et beaucoup plus confidentiel et à découvrir de toute urgence, celui de Vasks. J'ai toujours été extrêmement troublé par cette pièce. Donc j'ai voulu la jouer moi-même, je l'ai jouée plusieurs fois, et j'ai été encore plus troublé par les réactions du public, des gens de ma famille, des amis, qui étaient mais bouleversés par cette œuvre. Comme jamais je les avais vus après un Brahms, un Beethoven. Donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose avec cette pièce, c'est incroyable. Ils sont classe, ils sont rock, comme leur nom Mustang. Une saveur un poil rétro, 50s et 60s disons, et des textes serrés comme un jean. Pas d'enluminure hype ici, ni de poudre aux yeux, juste des chansons, en français, qu'on fredonne aisément. Guitare claire mais rock'n'roll, des synthés éventuellement vintage, et comme un peigne, on glisse leur troisième album écran total dans la poche arrière sans jamais le quitter. Non, 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 je n'ai pas le sens des affaires, je connais leur direction, droit dans mon derrière. Le plus beau son après le silence. C'est la formule qui colle à la peau de CM depuis déjà 45 ans. Manfred Eicher, le charismatique fondateur du label munichois, ne vit pas hors du temps, mais plutôt dans un temps parallèle. ECM est ainsi une planète de toute beauté, où le jazz résonne autrement, où les jazzmen, comme les musiciens classiques, déambulent à leur rythme, à leur convenance et à leur goût. Et c'est souvent pour ECM que Keith Jarrett ou Charles Lloyd, Yann Garbarek ou Carla Bley, John Abercrombie ou Anwar Brahem, et bien d'autres bien sûr, ont enregistré leurs disques les plus intenses. Des disques à déguster pour une grande majorité en studio Masters 24 bits sur Cobuz.
Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine? Quality where it counts. Not my words, but the words of What's Hi-Fi magazine in the UK. Recently writing an article on the music services worldwide, Cobra's was described as having a bigger and clearer sounding music quality than all of the other competitors, giving it 5 out of 5 stars, a rare for such a highly respected magazine. The article goes on to explain that if it's quality you're looking for, then Cobra's is worth spending your money. Je vous rappelle que toutes les interviews de cette émission ainsi que nos nombreuses archives podcast sont disponibles sur cobuzz.com et à partir de vos applications mobiles à la rubrique podcast. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Cobuzz.